Amélie de l'assurance maladie, bonjour. Oui, ah, vous êtes vaccinée et vous avez quand même attrapé le virus et vous l'avez donné à toute la famille. Ah mais c'est normal madame, on vous avait bien dit que ça ne protège pas et que vous êtes quand même contagieuse. Oui, à quoi ça sert alors? Eh bien écoutez, mais je ne sais pas, le gouvernement a dit qu'il fallait le faire, alors on le fait. De toute façon, il va le rendre obligatoire bientôt, oui. Mais écoutez madame, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes plein dans ce cas à m'avoir appelé ce matin. Et du coup, les laboratoires vous offrent une troisième dose pour vous protéger des variants, voilà. Oui, c'est ça. Bonne journée, madame. Amélie de l'assurance maladie, bonjour. Ah, vous êtes comme un aimant et vous attrapez tous les objets métalliques au passage. Ah, écoutez, je ne sais pas, moi, faites un numéro de cirque, monsieur. Hein, c'est une bonne idée. Voilà. Au revoir, bonne journée. Amélie de l'assurance maladie, bonjour. Ah, vous aviez fait le vaccin pour voyager et vous ne pouvez plus voyager. Et oui, non, mais ça, monsieur, c'est parce que les compagnies aériennes ne prennent plus les passagers vaccinés parce qu'ils font des thromboses en plein vol. C'est très dangereux, monsieur. Vous plaindre à qui? Ah, mais à personne, monsieur. Les laboratoires ont décliné toute responsabilité. Oui, mais... Non, mais ne criez pas comme ça, monsieur. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Amélie de l'assurance maladie, bonjour. Ah, c'est pour signaler un effet secondaire. Ah non, mais on ne prend plus des appels de ce genre, madame. Voilà. Oui, ben c'est ça. Écoutez, ben écoutez, faites un mail, hein, nous verrons bien. Oui, bonne journée. Amélie de l'assurance maladie, bonjour.